revenir. Je ferais ça, mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Merci, Monsieur Grenier. Madame Riley. Parle-moi, merci. Qu'est-ce que tu avais dit, Monsieur Grenier? J'ai disais, comme le mentionnait, je le mentionne maintenant, là, comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rinaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Il a dit ça. Nous vous proposons maintenant l'actualité. Oh oui. Une nouvelle chronique. Un nouvel atelier d'improvisation. Nous vous proposons maintenant l'actualité jamais révisée, toujours mal dirigée. Non, c'est digéré. Est-ce qu'on peut reprendre? Oui, mais pas trop souvent. Non. Le public n'aime pas ça, l'amateurisme. Le public n'aime pas ça, assister à quelque chose qui n'est pas encore prêt et qui sent... Qui sent pas bon. Oh, mais les vidanges de M. Bukowski sont-ils sortis? Oui. On dit que Mme Tremblay s'en est occupée, puis Ticu Baudouin, parce que c'est lourd, hein, les sacs de Bukowski. Il y a de la bouteille, beaucoup de bouteilles vides, non recyclables, parce que quand la bouche y touche, c'est terminé. Ça fond à l'unisson. Donc, à qui? Ça fond dans les chussons. Ah, mon dieu. Anime les sucettes, à l'année. Les sucettes à l'année, t'année. Donne ta CPC en coanée. Lorsque le sucre torche, parfumé à l'année. Coule dans la gorge d'année. OK. Et puis, nous vous proposons maintenant l'actualité jamais révisée, toujours mal digérée, avec votre lecteur et presque libre débiteur, Réal Gibière. Oui, monsieur, c'est ma première prestation. C'est vrai, êtes-vous énervé? Je suis très énervé. J'ai le menton qui sanglote. Oh, vous le faites pleurer? Je le fais. Oh oui, pleure. Pleure, mon menton. Alors, l'actualité, je tiens à vous dire, monsieur Grenier, que c'est pas très, très actuel. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur Grenier? Mais c'est monsieur Gibière. C'est moi qui fais, c'est moi le lecteur des nouvelles. Monsieur Grenier, il est parti au Wet Closet. Il y en avait besoin. Il y a un haut le cœur de l'actualité. C'est pas de l'actualité tout à fait actuelle, mais il y a quelques semaines à peine que tout ça a été pris dans les journaux et c'est véridique. Ici, nous disons que les adolescents... non, c'est pas, c'est l'autre page. Ah non, attendez, monsieur, je ne suis qu'à ma première chronique. On dit du Viagra pour jeunes. Le défonctionnement érectile chez les jeunes hommes est souvent lié à la consommation de porno. Longe Internet! C'est épouvantable. 13% des hommes âgés de 18 à 25 ans ont des problèmes érectiles. 40% des hommes de 40 ans ont des problèmes érectiles. 50% de 50 ans et plus et 70% de 70 ans et plus. Mon Dieu, ça suit longe, là! Moi, quand j'en ai 23, c'est 23%. T'as 23 ans, d'âge mental, j'en ai au moins 12. 12 ans d'âge mental, c'est 12%. Alors, imaginez-vous les jeunes aujourd'hui qui commencent à consommer du Viagra. Avec leur... comment t'appelles ça pour les relaxer, là? Quand ils sont trop agités, là. Moi, je sais pas, j'ai 3 enfants, mais d'âge mûr. D'âge mûr, comme la pomme. Ah, oh, mon Dieu. Sont trop mûrs pour... Bon. Et puis, vas-y, Montréal. Oui, je continue ici. Et puis ça, c'est beaucoup moins drôle, mais c'est pas pour rigoler de ce qui est arrivé, mais c'est le titre. Le présumé agresseur aurait été intimidé. Non, c'est pas celle-là. Les journaux me quittent. Les journaux me quittent. Non, ici, c'est 15 ans pour le violeur au dentier. Alors, je vous raconte un peu l'histoire. C'est malheureux, c'est un imbécile, un violeur, mais... On l'a retrouvé, il s'est écrit à la fin,
finalement, a été pris, il a pris ses jambes à son cou, mais il a oublié au passage sa casquette. Sa casquette. Donc, à l'intérieur de sa casquette, s'il y a des cheveux, là, c'est un moyen assez facile de le retrouver, là, avec le OGDEM. Comment? Hein, le OGDEM. Comment ça, OGDEM? L'ADM. Ah, mon Dieu, le KGB. Vous avez le KGB dans le cheveu, là. On peut trouver n'importe qui. Avec la salive, le KGB dans la salive. Bon. C'est pas l'ADN. Ben non, c'est pas l'ADN. Qu'est-ce que c'est l'ADN? Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Toi? C'est moi, le journaliste financier. Oui, financier. J'ai pas de maudite scène, moi. Qu'est-ce que c'est pour ça? Et puis, donc, ouais, alors donc, c'est en oubliant ses jambes à son cou. Aïe, donc. Il a tombé avec ça, là. Les jambes à son cou. Il n'est même pas capable de les mettre à ses pieds. Quoique, même mon chien, moi, j'ai de la misère à mettre à mes pieds. Hey, couche-là, toi, couche-là, il veut pas coucher. Couche-là! Là, je suis obligé de me coucher avec lui, là. Puis, couche. Fais le mort. Quand je fais le mort, il fait le mort aussi comme moi. Mais je suis plus docile que mon chien, moi. Ah, mon Dieu. Là, attendez un petit peu. Donc, il a pris son cou, ses jambes. Il a oublié sa casquette. Ses chaussures. Imaginez-vous, il a oublié ses chaussures. Ben oui, en prenant ses jambes à son cou, il n'a pas besoin de chaussures. Toi, t'es brillant, mon petit champion, t'es brillant. Et puis, un tournevis, il a mis un tournevis pour se dévisser le nombril, l'imbécile. Et puis, son dentier est tombé pendant l'altercation. Imagine-toi. Heureusement qu'il n'avait pas un œil en vide, ça serait tombé également. Mais heureusement, ils l'ont trouvé, ils l'ont arrêté 15 ans de prison pour cet imbécile. Bravo. Mais là, elle vit à gros, hein. C'est incroyable. Eh, c'est bon, ça? Merci beaucoup, monsieur. Monsieur qui? Monsieur Réal Jubière, c'était moi, ma première... Est-ce que je suis bon, moi, là? Je sors de l'école. Ah, mon Dieu. Mais j'ai eu de la difficulté à trouver la porte. On m'avait envoyé hier au soir, puis on m'a dit, pratique-toi. Je pouvais pas me pratiquer, la lumière était fermée. Toutes les universités ferment leurs lumières, il n'y a pas de maudite scène, les étudiants veulent pas payer. Ah, ben là, ils ont... Eh non, ça paye pas cher, puis ça va avoir des hautes études. On ne veut pas payer d'impôts, mais monsieur, on vous demande pas votre opinion, monsieur. Mais je veux pas d'opinion, moi, là. Mais on ferme les lumières quand même à l'université laquelle? Ah, oh, l'université très malade, très, très malade. Elle est fiévreuse. Tu rentres là-dedans, il fait chaud. Parce qu'ils mettent, comme à l'hôpital, hein, premier étage, les fiévreux, ça montre toute la stratégie... qui s'enflamme là, au niveau du cervelet et ça monte. Comme ça, au deuxième, troisième étage, je suis épouvantable. Oh, mon Dieu. Cette semaine, et ça, j'ai complètement du concept. Nous mangerons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons en bas d'un mot celui-ci pour en observer la moindre couture. C'est de l'humour, hein? C'est de l'humour, c'est du troisième, quatrième, vingtième degré. Ça monte haut, ça descend très, très bas dans le sous-sol, dans le noyau. Aïe, aïe, dans le noyau. Ça brûle? Ben oui, ça brûle le noyau. On se brûle souvent le noyau. Ah! Ouais, ça brûle tellement que la matière grise devient rouge. Alors, tout ce que vous entendrez, là, les prises d'opinion, c'est bien sûr fait par des fanfarons, des clowns. Le clown l'errant lui-même. Donc, prenez pas en considération tout ça. Là. On vous aime, puis vous êtes des étudiants. Talala, poil aux dents! Continuez. Étudiez. Soyez les élites de demain. La connaissance générale. Articulez vos mots et vos idéologies avec autant de verve que ce que vous pouvez en amener à travers toutes les connaissances et les circuits nerveux de votre littérature et de votre philosophie. Et surtout, psychologie. Alors, la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie, aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « orbite ». Oh, mon Dieu. Orbite ou non orbite. Ça, c'est un mot qui m'a été suggéré par toujours Coralie de la Fouquère. Coralie qui a une vision perverse de la langue française, ou de la langue en général. C'est pervers, la langue en général. Quand M. Dutheil dit « C'est une langue barre avec des mots soudaires. Il traverse ses accents, sa langue de chef. »
De l'île d'Orléans. L'île d'Orléans. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent où est, à quel endroit se situe l'île d'Orléans? Qui? L'île d'Orléans. Moi, je le sais. C'est où? C'est sur une île. Oh! À Orléans. Oh! Sur une île à Orléans? Oui. Pas de besoin de bateau. Hein? Moi, je te dis qu'il y a M. Tremblay qui est juste en bas de... Comment t'appelles ça? Du cuticule. De la rondelle avant d'arriver sur l'autre île, là, l'île à Orléans. Lui, avec il a un élastique géant. Il vous place au milieu de l'élastique, un peu comme un catapulteur. Oh, t'allais dire un mot. Ben, oui, un anglicisme. Je m'en excuse. Mais un catapulteur. Il vous place sur le catapulteur. Il vous catapulte. Parce qu'un catapulteur, ça... Ça fait mal. C'est vrai, ça fait mal. Parce que si on vous étire trop, il vous trouve en avant, beaucoup trop en avant du quoi? Du catapulteur. Mais ça vous fouette la fesse. Puis là, vous montez en haut. Vous arrivez à Orléans, là, la fesse rouge. Ah, il vous cuise la fesse, il vous la mange. Ah, non, mais la fesse humaine, c'est très bon. Surtout quand c'est bien cuit. Là. Ah. Je vous conseille pas de vous manger vous-même la fesse, hein? C'est difficile. J'ai essayé, moi, là, je tourne en rond. C'est comme un chien qui tourne après sa queue, autour de sa queue. Ah, on n'y arrive pas à mordre la fesse. Quoique, la grande, comment tu l'appelles? Moi, j'ai dit au Cirque du Soleil. Au Cirque du Soleil, la manipulatrice. Elle manipule son corps. Combien saucisses? C'est bon, c'est excellent. Alors, orbite! Orléans est l'orbite du Québec. Oh mon Dieu! De la ville de Québec. Ça, c'est l'île d'Orléans? L'île d'Orléans. C'est pas Orléans? Ben non, c'est pas Orléans. C'est tout près de la ville de Québec. Alors, vous pouvez vous y promener en vélo, partir de Québec en vélo, vous rendre à l'île d'Orléans, manger des bonnes fraises de l'île. Au mois de janvier, mois de janvier, parce qu'il n'y a pas d'hiver à l'île d'Orléans. C'est toujours l'été. Le soleil plombe. Ben, 40 degrés à l'ombre au mois de janvier à l'île d'Orléans. Ah! C'est bon, mais c'est bon des bonnes fraises. Tandis qu'à Québec, là, à peu près 10-15 minutes en voiture, là, vous traversez le pont, vous arrivez à Québec, moins 40. Oh! On appelle ça quoi? La calotte nous gèle. Oh! Si vous voulez être entre le froid et le chaud, là, en plein milieu du pont, il fait 15 degrés. Alors, l'orbite, bien, c'est ça. Orbital. On est une société d'orbite. On ne sait plus où on est à peu près partout. Là. C'est comme des vaisseaux, puis ça se croise. Quelquefois, ça se frappe, puis ça s'éloigne, puis ça se refrappe. Puis ça se... Des autopamponneuses. Ah, moi, ça se pamponne. Ah. Un petit peu de maquillage à droite, à gauche, puis hein? On n'a jamais vu ça de même, nous autres, des voitures pamponneuses. Puis ça fait pas mal, des voitures pamponneuses. Quand ça veut se frapper trop fort, poum, ça se défait. Poum. Ça, c'est grâce au caoutchouc. Quand vous mettez du caoutchouc, plus il y a de caoutchouc, moi, ça fait mal. Puis plus il y a du caoutchouc aussi, quand ça s'affronte, les deux, ça se défait aussi facilement. C'est rigolo. C'est comme deux comment vous appelez ça, vous? Moi, je l'appelle de la terre glaise. La terre glaise, ça fait pas mal. Ça pioum, pioum, ça se défait pas, la terre glaise, quand ça se raconte. Mais non, chimiquement parlant, on peut pas. Est-ce qu'on peut placer, par contre, le mot orbite dans le château symbolique de la francophonie? Eh, monsieur, selon moi, là, personnellement, là, orbite. Il n'y a pas beaucoup trop de bits dans orbite, alors non. Non. Pour tout le monde, et ce serait sage d'enlever toutes les bits dans l'orbite. Oh, mais on peut pas faire ça. On peut le faire à partir de maintenant. OK, alors où sont les orbites? Il y en a à droite, maintenant. Il y en a trois. Oh, on va commencer par celle-là. Comment on fait pour tirer? On tire. CKRL, cultive tes goûts.